Il y a une semaine, jour pour jour, le lycée professionnel Condorcet d'Arcachon fêtait les Erasmus Day en même temps qu'une foule d'établissements scolaires de 25 pays en Europe et dans le monde. Des journées destinées à valoriser et médiatiser ce programme d'échanges internationaux qui permet chaque année à plus de 41 000 étudiants français de partir étudier à l'étranger. Aujourd'hui, le lycée s'est inscrit dans le cadre de Erasmus Day. C'est la première année que cette cérémonie a lieu dans l'établissement scolaire. Et ça est parti en fait de la demande d'un enseignant de lettres, histoire, géographie, puisque nous avons beaucoup d'élèves qui partent dans le cadre des projets Erasmus. C'est mettre en valeur tous les partenariats que nous avons avec l'Europe, et notamment dans le cadre de déplacements d'élèves. Donc nos élèves partent 4 semaines par an dans le cadre de ce qu'on appelle les PFMP, les stages en entreprise, qu'ils font à l'étranger. Et nos élèves ont donc des partenariats en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Belgique. On reçoit une trentaine d'élèves qui viennent d'Immenstadt, donc en Allemagne, une vingtaine d'élèves qui viennent de Belgique tous les ans, quelques élèves japonais hors Erasmus mais qui viennent aussi, et nous avons une quarantaine d'élèves de terminale qui partent tous les ans. Erasmus est un programme qui leur permet non seulement de trouver des partenariats, mais surtout de trouver des financements. En termes d'enrichissement, c'est énorme. Ça leur donne une ouverture sur l'Europe, et peut-être même sur le monde, et ça leur donne une expérience professionnelle dans une langue étrangère, ce qui est super pour eux. Bonjour, je m'appelle Margot Founot et elle Laura Blondeau. On était dans le lycée Condorcet l'année dernière en terminale restauration. Cette année, on est en mention organisation de réception. Avec le lycée, on est parti en stage en Belgique, à Liège. Grâce à Erasmus. On est en association avec un autre lycée de la Belgique, un lycée hôtelier. Donc pendant nos jours de repos, on allait dans ce lycée pour faire des petits chocolats, des gaufres. On faisait pas mal de pâtisseries belges. Erasmus, déjà, je trouve que c'est pas mal qu'ils puissent envoyer des élèves à l'étranger travailler. Parce que d'une part, ça peut nous motiver à repartir l'année prochaine dans ce même pays ou partir ailleurs, travailler. Bonjour, je m'appelle Olivier Michel. Ici, mes deux collègues, donc Zia Moura et Justine Lasserre. Et on était dans cet établissement l'année dernière. Nous étions en terminale commerce, bac professionnel commerce. Et nous étions partis à Madrid pendant un mois. Et c'était notre séjour Erasmus. Pendant ces un mois, on a vécu à 12, dans une auberge de jeunesse à Madrid, dans la capitale, en plein milieu. C'était cool, on a été en stage pendant un mois. Il y en a qui ont été à Superdry, il y en a à Pimki et d'autres Klairs. On a passé des super moments et franchement, on s'en souviendra toute notre vie. Ce que ça m'apportait déjà, c'était un progrès au niveau de la langue. Et aussi un certain échange avec une autre culture, d'autres personnes qui vivent différemment qu'ici, parce que là-bas, ils vivent beaucoup le soir. Professionnellement, on a pu aussi travailler dans d'autres contextes. Voilà, il y en avait qui avaient l'habitude de travailler dans le textile, donc il y en a d'autres qui ont pris l'habitude du coup de travailler dans une bijouterie. Enfin, voilà. C'est un séjour en fait qui va être porteur pour leur poursuite d'études déjà premièrement puisqu'ils vont pouvoir l'intégrer dans un CV pour le futur. Ensuite, ils peuvent prétendre à une poursuite d'études aussi dans le commerce international par exemple en ce qui concerne mes élèves. Après tout simplement au niveau du développement de la langue, ils ont vraiment énormément progressé par rapport aux heures que l'on fait en plus en classe et puis surtout par rapport aux mois qu'ils passent à l'étranger. Et puis c'est une ouverture, tout, globalement une grosse ouverture au monde, à une culture différente, à une méthode de travail différente puisqu'ils sont en stage à l'étranger. Je compléterai simplement en disant que c'est une double ouverture. C'est une ouverture à la fois pour les élèves qui partent, c'est ce dont on vient de parler, mais aussi pour ceux qui ne partent pas. Parce que ça donne l'impression aux élèves tout d'un coup que la langue étrangère c'est utile, c'est même vital, et que du coup si on n'est pas parti, on aurait dû partir. Et parfois il y a même un impact, c'est que les élèves qui ne sont pas partis disent ensuite « mais moi l'an prochain j'irai faire un stage à l'étranger » ou alors « j'irai même carrément travailler à l'étranger » parce qu'ils ont été frustrés de ne pas y aller. Donc moi je dirais qu'il faudra encore plus d'Erasmus pour que tous les élèves puissent en bénéficier.